Napi Talk Interview prise 1. Bonjour, c'est Val de Napi Talk. Napi Talk, c'est un projet que j'ai commencé à développer en 2014, qui n'avait pas encore ce nom-là à la base et qui a pris ce nom de Napi Talk avec le temps. Donc c'est un concept artistique et aussi le nom d'un groupe en effet. Et on est là ici pour présenter la publication du premier album qui s'appellera Bruitarium. C'est un projet qui a démarré l'été dernier. Il n'y avait pas de publication encore pour Napi Talk, alors que ça avait bien tourné sur scène et sur diverses formules d'ailleurs. Et il fallait un petit peu immortaliser ça. Il se trouve que j'avais un local de musique à la maison avec de quoi enregistrer et tout ça. Et je suis parti dans le délire de dire, allez, on va enregistrer quelques chansons et on fera un EP avec. Donc je commence à faire des trucs en acoustique et tout ça, et je développe, et puis finalement c'est devenu des morceaux entiers, et finalement à la place de 5 ou 6 morceaux, c'est devenu 12 ou 13. Et donc l'idée d'un album était devenue assez cohérente aussi, je pense que c'était le bon moment pour le faire, donc on y est allé, et donc ça va sortir maintenant en vinyle, qui était un de mes rêves de gamin, de pouvoir sortir un vinyle, et ça sortira sur les plateformes en streaming aussi, donc c'est quand même super cool quoi. Et ça sort donc le 25 octobre. Alors, le prochain morceau s'appellera Reboot. Donc, c'est un peu le morceau, si on peut dire ça, single de l'album. C'est un nouveau morceau et ça va aussi sortir en clip dans quelques temps. Ça va être le support qui permettra de partager l'album. Alors, Reboot, c'est la notion de recommencer quelque chose. Donc, Reboot, comme il y avait sur les consoles rétro dans le temps, on pouvait remettre le truc à zéro. C'était un petit peu cette idée de repartir sur une copie vierge, de repartir à zéro, et malgré tout, de cette copie vierge, recommencer à faire les mêmes erreurs. C'est un peu cette idée de la reboot, c'est une boucle en fait, on recommence tout le temps la même chose, pour le meilleur et pour le pire. Hello, is there anybody in there? Ces gens qui me dévisagent comme un bout de viande sur l'étalage. Je me sens pas sale, je me sens sale. Je tourne la page et je veux juste m'oublier. Éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Cette bouteille, on t'avoue, qui semble la compter les choux. Bras dessus, bras dessous, vous mettriez la juste m'oublier, éteindre la machine, allumer, je veux recommencer. Et cette bouteille, je veux me perdre dans tes yeux, flotter juste dans les yeux. Au paradis, ils foutent le feu. Oh ouais, nom de Dieu. Et je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Et cette bouteille, qu'il s'éclate ce macaque à prendre pour une clope ce panneau stop. Qu'il s'écarte l'écarlate, je prends pas en stuff. Non, je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Cette bouteille, oh. Septième rang, plus rien ne rime et tous les chemins mènent au snob. Je laisserai bien sur sa béquille ce vieux Potsdam. Et je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Cette bouteille, je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Cette bouteille, je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer, je veux recommencer. Cette bouteille, je veux juste m'oublier, éteindre la machine, rallumer.
allumer. Je veux recommencer, yeah, cette bouteille, et je veux juste m'oublier. Éteindre la machine, rallumer. Je veux recommencer, cette bouteille. Oh ouais. Le deuxième morceau s'appelle Lucien. C'est un morceau que je traîne depuis quelques années sur scène et qui est un des standards maintenant du set concert Napitoc. Ça s'appelle Lucien, ça s'adresse à une sorte d'ami imaginaire que je me suis fait. Et c'est pas un bon exemple, mais ça parle de l'état qu'on peut avoir au bout d'une bouteille de rhum à 3h30 du matin quand on se balade dans la rue. Donc voilà, n'essayez pas forcément ça chez vous, car c'est pas, c'est pas forcément super, mais on peut quand même bien rigoler. Et ça amène parfois des moments de philosophie et de poésie. Franchement, il y a une poésie de l'ivrogne et on l'a bien testé. Et je vous assure, ça marche. Plus que le ciel d'encre et de tes cheveux, je vagabonde dans les rues en amoureux. Les réverbères semblent battre des cils. Il y a au fond du verre une forme de justice. Lucien se tourne, tourne et se retourne sous les étoiles, le cœur lourd. Lucien se saoule, saoule et puis s'écoule, et l'un d'un monde où tout s'écroule. Ah, ah. Eh bien, Lucien, Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Plus que solitude et la nuit qui baigne. Au loin, je n'y vois qu'oasis de lumière. D'un pas mal assuré, semblable au premier jour. La raison s'évanouit au profit d'un cœur en vie. Lucien se tourne, tourne et se retourne sous les étoiles, le cœur lourd. Lucien se saoule, saoule et puis s'écoule, les larmes d'un monde où tout s'est. Eh bien, Lucien, Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Le jour se lèvera sur mon crime découvert, pourchassant mes oiseaux de nuit face contre terre. Au large je reviendrai, vagabond de tes îles. Il n'y a rien à prier, non, je ne manque pas d'air, non, jamais. Lucien se tourne, tourne et se retourne sous les étoiles, le cœur lourd. Lucien se saoule, saoule et puis s'écoule, et l'âme d'un monde où tout s'écroule. Ah, oh. Eh bien, Lucien, Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Lucien est bien. Lucien est bien maintenant. Lucien est bien. Lucien est bien. Lucien est bien. Le troisième morceau, c'est Petit Blues. Et c'est un petit peu l'animal totem de Napitoc, car il a quelque chose de totalement mystique. Et c'est un peu le morceau qui a sorti Napitoc de toutes les situations. C'est-à-dire que c'est un des premiers morceaux qui a été composé et écrit, avec lequel j'ai pu aller un petit peu sur scène à droite et à gauche. C'est le premier morceau qui a eu un petit peu de succès et tout. On a fait un clip qui a bien fonctionné, qui a bien tourné sur le web. Et ça a été aussi un morceau qui, via ce clip justement, a permis de relancer la machine de Napitoc à un moment donné où on se demandait
s'il fallait continuer ou pas, ou s'il fallait arrêter les frais. Donc voilà, c'est un petit peu un porte-bonheur et c'est quelque chose qui me colle à la peau. C'est vraiment ma chanson qui me représente. Une petite blouse, voilà, je la jouerai sûrement toute ma vie, quoi. Seulement deux pieds seuls dans les ronces, plus que l'usure à la dépendance. D'idole engloutie sous les ronces, comme une flamme qui s'embrase. Puis de lumière dans l'abdomen, la gueule à terre, complètement cuit. Il n'y a qu'une force qui me vient en aide. Petit plouche, t'es dans la peau et je t'aime bien. Tu occupes mes mains, hey, 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 hey. Quand ma tête est une passoire, que c'est cool mes idées. Petit blue, j't'ai dans la peau et je t'aime bien. Tu sonnes pour rien, hey, 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 hey. Petit blue, tu manques pas d'air, tu me vides la tête quand j'ai les nerfs. Ananananana, tananana, oh, no, no, no. Tu me laisseras un sang qui refroidit dans mes veines. Que le chagrin ne m'ennuie plus comme une momie cherchant les aines. Je voudrais bien rester gamin à me faire du bien de toutes mes peines. En attendant la fin de mon monde, je suis sans un sein de temps en temps, tout en décortiquant votre monde brisé, votre morale en marrant. Tant que j'aurai blues, je serai cynique, quand même la mort sera niquée. Venez donc tous de torches et de fourches. Oui, je fantasme à cette idée. Venez donc en bas de chez moi. Oui, venez donc tous. Venez donc tous en bas. J'irai ouvrir cette fenêtre. Et oui, oui, j'irai pisser dans la rue. Ta-da-da-dum, ta-da-dum, bam, down. Oh, yeah. Oh. Pas de brûlure, pas de vengeance, seulement deux pieds seuls dans les ronces, plus que l'usure, la dépendance. Dit dans l'engloutier sous les ronces, comme une flamme qui s'embrase. Puis de lumière dans l'abdomen, la gueule à terre complètement cuite. Il n'y a qu'une force qui me vient dans l'aide. Petit bleu, je t'ai dans la peau et je t'aime bien. Tu occupes mes mains, hey, 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 hey. Quand ma tête est une passoire, que c'est comme les idées rares. Petit bleu, je t'ai dans la peau et je t'aime bien. Tu sonnes pour rien, hey, 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 hey. Petit bleu, tu manques pas d'air, tu me vides la tête quand j'ai les nerfs. Tcha, 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 tcha. Le morceau d'après, ça s'appelle Sean Connery. Donc Connery, pas comme le nom de l'acteur, mais Connery comme une belle grosse connerie, quoi. C'est une chanson qui n'a strictement aucun sens. J'ai aimé jouer avec les mots, tout ça, et à parler de choses comme les cochons d'Inde. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, les cochons d'Inde, surtout les cochons d'Inde péruviens. On n'en parle pas forcément dans le morceau du fait qu'ils soient péruviens plutôt qu'autre chose, mais j'aime beaucoup les cochons d'Inde, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petit et encore maintenant. Voilà, c'est pas vraiment le sujet, hein, mais je tenais à en parler, quoi. C'est important de parler de cochon d'Inde. Et voilà, j'aime bien m'amuser avec la langue française, mélanger les mots, tout ça, faire des jeux, tout ça, jouer au ping-pong.
Et ce morceau-là, c'est totalement ça, c'est que je joue avec les mots à faire des sens, des doubles sens, des triples sens, alors qu'en fait, ben, il y en a aucun. La chanson n'a juste aucun sens, et j'ai mis ça sur une sorte de thème blues psychédélique, quoi. Et ça me fait énormément marrer. Je suis peut-être le seul, hein, mais moi, ça me fait beaucoup rire comme morceau. Je me demande bien pourquoi c'est la vie. Mais quoi, tout le monde dit des âneries, mais y'a que des cons. Alors conneries, jeune connerie. Pourquoi les cochons d'Inde et les Indiens vivent pas en Inde? Peut-être que l'Inde s'est fait piquer par les Hindous. Les Hindous viennent d'où? Elles piquent comme les moustiques. Mais les moustiques qui les piquent? Sûrement le porc et pique l'Inde aux cochons d'Inde et pique. Épique, 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 rien. Je me demande bien pourquoi c'est la vie, mais quoi? Tout le monde dit des âneries, mais y'a des cons, alors conneries, con. Chaque connerie, dans la mer, les vers de terre, ils manquent pas l'air, ils ont de tout petits tubas. Je crois. Enfin j'ai cru, oui. Je me demande bien pourquoi c'est la vie, mais quoi? Tout le monde dit des âneries, mais y'a des cons, alors conneries, con. Et donc le dernier morceau, c'est La Place du Mort. Ça c'est pareil, c'est un morceau qui est là depuis très très longtemps dans le set. Et de toute façon, c'est tous des morceaux qu'on pourra retrouver sur Bruitarium, donc sur le premier album. J'ai essayé de faire en sorte que les premiers morceaux qui étaient là soient dans l'album. Donc il y a beaucoup de nouveautés, mais il y a aussi beaucoup de vieux. La Place du Mort en fait donc partie. Et c'est un très long blues, un petit peu mystique en fait, qui... En quelque sorte, c'est une façon de se voir, de voir la vie qui coule en fait, et de parler avec ses héros en fait, ses héros d'enfance, comme je peux parler par exemple à Lovecraft, un auteur que j'adore, ou alors à Mamie Smith, qui est la première femme à avoir enregistré un blues en 1920. C'est toutes espèces de petites étoiles dans mon univers, quoi, des trucs qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et j'ai mis ça un petit peu sous la perspective d'un personnage qui voit ça lui-même avec la vie qui passe et tout ça, quoi, et que nous-mêmes, un jour, on sera une de ces étoiles là-bas qui brille. Voilà, c'est une sorte de philosophie de comptoir, certainement, mais moi j'aime bien aussi. Salut Bowie, envole-toi Ziggy, au revoir Alexis, bonsoir. Je n'ai pas vu les forêts aériennes, je n'ai pas eu peur de sirènes. Salut Burton, avec Richard Francis, précurseur de l'excentrisme. Je n'ai pas vu les dracars remonter la Seine, terrorisant les parisiennes. Moi, je
sur la place du Mort. Je trace encore ma route et je laisse passer mon tour. J'ai pas filé le décor. Qu'est-ce que tu fous, bro? Remonter la source d'un genre dont on ne peut comprendre l'air. Oh yeah. Salut Lovecraft, garde-moi un autographe de celui qui attend. Je ne t'ai pas vu, Robert, écrouler la mort par terre sous le rire des gens. Salut Mamie Smith, grand-mère du groupe ternaire, je pense à toi en chantant. Et je n'ai pas vu Neil Armstrong s'envoyer en l'air, déflorant le sol lunaire. Moi, je suis sur la place du Mort. Je trace encore ma route, laisse passer mon tour, je vois filer le décor. Qu'est-ce que tu fous, bro? T'accélères, tu es bien. Tu fous, bro, t'accélères. Remonter la source d'un chant dont on ne peut comprendre. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Salut à toi aussi, disparu au fond d'un lit, je suis pas venu très souvent. C'est con mais c'est la vie, ce cruel paradis, cette valse à trois temps. Hey. Je trace encore ma route, je laisse passer mon tour, je me voile la face sûrement. Mais j'ai des rêves à revendre, à revendre. Comme un garçon de 4 ans. Comme un garçon de 4 ans. Je te suis, bro. Accélère. Accélère. Et au plancher, mon frère. Accélère, accélère. C'est le nappy top et tout droit en enfer. Accélère, accélère. Yeah. Programme sur le site ILTV.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.